pour cette quatrième partie de mon montage de la Williams F1 BMW FW24, donc proposée par Tania au 1/20e. Donc dans cette quatrième partie, en fait, ça concerne en fait la partie numéro 7 de la notice. Donc je reviendrai sur la partie 6, mais dans une prochaine vidéo, puisque je n'ai pas terminé le montage des harnais au niveau de la ceinture et le reste du volant. J'ai repiqué tous les boutons, mais il me reste encore le décalque à poser au niveau du volant. Et ici, les harnais à faire, donc ça prend pas mal de temps, donc je ne le ferai pas tout de suite. Je le ferai, mais en attendant la partie 7. Concernant donc cette septième partie, on va s'intéresser donc à la peinture de la monocoque. Donc cette peinture, elle est en deux tons. Il y a une première partie, le blanc, qui correspond donc au TS26, c'est un blanc brillant proposé par Tamiya, que moi je vais remplacer par le Lamborghini Bianco Canopus. Donc ça, ce blanc là, je l'ai déjà passé sur la monocoque. Voilà, je vous le montre, c'est un blanc qui est métallisé, puisque sur la monocoque en fait de la Williams, c'est pas un blanc brillant, c'est plutôt un blanc métallisé. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé cette teinte. Donc Tamiya nous a aidé en fait en nous mettant une ligne de démarcation à respecter entre le bleu et le blanc, enfin le bleu ici et le blanc ici. Donc il faut surtout pas poncer, faire attention à ne pas poncer cette ligne là quand vous montrez ce modèle, si vous souhaitez le monter un jour, ni ici. Donc il faut faire attention aux lignes. Par contre, on les poncera, mais après, une fois que la peinture sera passée et qu'une première couche de vernis sera passée, puisque là il y aura un long processus de une fois que la peinture est finie, je passerai donc une première couche de vernis, et ensuite je poncerai au papier abrasif, et ensuite je passerai mes décalques pour ensuite repasser une couche de vernis et reponcer à nouveau avant de passer la couche finale de vernis, mais cette fois-ci du bicomposant. Voilà, donc ça c'est pour le processus. Donc là, aujourd'hui, on va s'intéresser à la partie qui est à peindre en bleu. Donc ce que j'ai fait pour avoir une bonne délimitation, alors c'est pas grave si on n'est pas tout à fait synchro avec la ligne. Normalement, avec le décalque en argent, la bande qui va se poser ici, ça nous permettra d'avoir une délimitation bien nette. Pareil, c'est pas grave s'il y a une toute petite bavure qui apparaît en dessous. Moi j'ai essayé de prendre mes précautions pour qu'il n'y en ait pas, mais pareil, la bande de décalque argent masquera l'erreur si on en fait une. Voilà. Donc ce que j'ai fait pour préparer mes caches, j'ai fait une photocopie de la planche de décalque. Ensuite, une fois que j'ai photocopié cette planche là, je suis venu poser, donc comme vous le voyez ici, de la bande cache Tamiya. Au stylo, j'ai contourné donc le dessin du décalque, j'ai coupé, j'ai ensuite enlevé ma bande cache, donc j'ai fait pareil pour ces deux là, et je suis ensuite venu les poser donc autour des lignes qui apparaissent au niveau de la maquette. Une fois que ces lignes là ont été posées, ces deux là plus celle qui est ici qui fera le tour donc de l'entrée d'air, je suis venu donc masquer le reste. Donc là en dessous, ça va rester blanc, et cette partie là va être peinte en bleu métallisé. Les trappes à essence, alors vous avez vu, elles sont pas peintes en blanc puisque je les ai laissées simplement apprêtées. J'ai juste mis en dessous, elles sont pas collées, j'ai juste mis en dessous de la pâte à fixe pour les fixer simplement, pour qu'elles prennent en fait la peinture dans le même ton que le reste de la monocoque. Par contre, je ne les laisserai pas ouverts, je les laisserai collés, mais je ne vais pas les coller tout de suite parce qu'avec le vernis, j'ai peur qu'ici les lignes elles soient bouffées par l'épaisseur du vernis. Donc on viendra les coller, mais juste à la fin. Par contre, pour la peinture, je me suis aidé donc de la pâte à fixe pour les fixer et pour les peindre d'un seul tenant avec la monocoque. Ici, il y aura du carbone,
avec, enfin cette partie-là va être masquée parce qu'il va y avoir les entrées d'air ici en carbone. Là, ça sera en alu. Donc c'est pas grave si on a du bleu ici, hein, puisque ça sera recouvert d'une bande aluminium pour la protection thermique. Et le dessous, ça sera aussi du carbone, puisque ça va être en fait, ça sera posé donc sur le fond plat, ça sera donc la continuité du carbone du fond plat. Donc cette partie-là sera ensuite mise au décalque. Donc au moment où je poserai les décalques, je poserai aussi ici donc le carbone pour avoir toute la partie de la monocoque terminée. Donc je vais procéder comme ça pour ce montage de cette maquette. Je vais donc peindre la monocoque séparément du capot arrière. Pourquoi aussi je vais faire ça? Parce que là on a une délimitation à respecter avec le capot arrière. Le capot arrière normalement, donc on voit ici qu'il y a une délimitation en blanc. Donc pour que ça coïncide ici et que je tombe pile poil avec la bande de décalque argent, je vais peindre d'abord celle-ci tout démasquée. Et une fois que j'aurai tout démasqué, j'aurai mon repère aussi après pour peindre cette partie, le capot, et faire mes délimitations avec la bande argent qui viendra en décalque. Donc voilà, c'est pour ça que je vais faire ça. Donc on va attaquer la peinture. Donc pour vous montrer le résultat, en attendant hors caméra, j'en avais aussi profité pour faire donc l'aileron avant et la partie donc de la monocoque. Donc voilà ce que ça va donner au niveau du bleu. Donc là, il n'est pas encore verni, hein, il n'y a rien de verni. Donc ça sera, alors je ne sais plus s'il y a des décalques à mettre dessus, mais on verra bien. Là, oui, donc ça sera verni une première fois, et ensuite verni une première fois juste pour que les décalques glissent bien et adhèrent bien à la surface, et pour éviter aussi qu'on ait du silvering avec les décalques. Et ensuite, je viendrai donc repasser une couche de vernis par-dessus, pour bien protéger mes décalques. Comme ça, ils bougeront plus, ils seront scellés entre les deux couches de vernis brillant, donc ça viendra sceller. En dessous, je ne l'ai pas peint, puisque là, je vais reprendre cette partie-là, une fois que ça sera verni ici. Je vais peindre ici, sur un X18, un noir satiné, pour passer mon carbone. Donc noir, pourquoi? Parce que le carbone est gris-noir. S'il y a une déchirure ou quoi aux caisses avec le fond noir, ça se verra beaucoup moins que si on avait une partie bleue ici ou éventuellement on laissait la partie juste avec l'après. Et puis un noir satiné avec le carbone, donc ça, comment dire, ça glisse mieux, la pièce en carbone glisse beaucoup mieux quand c'est légèrement brillant ou légèrement satiné. Donc voilà. L'aileron avant, j'en ai profité donc pour le passer au bleu déjà. Donc il y aura pour l'aileron avant, il y a cette partie là aussi qui viendra. Donc là aussi l'extérieur donc bleu, l'intérieur carbone, et cette petite pièce là uniquement en bleu. Donc là je laisserai en bleu, je peindrai pas en noir cette partie là, et je mettrai du carbone ici et en dessous. Donc là pareil, je passerai du noir dessous. Alors pourquoi un noir acrylique? Si là je vais poser d'abord mon vernis, si le noir acrylique bave un peu sur le bleu avec un morceau de coton-tige et de l'alcool à 90, vu que la pièce sera vernie, elle sera protégée. Donc avec l'acrylique ça s'en ira tout seul, ça sera net. Donc là il n'y a pas de souci à se faire pour passer ensuite le carbone. Voilà. Donc les autres pièces aussi qui ont été peintes hors caméra, donc c'est les deux rétro, puisque eux, ils sont bleu métallisé. Donc là, pareil, ils n'ont pas été encore vernis, il y a juste du bleu qui a été passé. Et donc le haut qui va venir ici, donc de la monocoque, donc pareil, donc mon vernis pour l'instant, mais le bleu passé. Voilà. Donc je prépare mon aérographe, ma peinture. Et on va donc la vidéo là, ça va être juste donc la peinture de la monocoque et ensuite le démasquage. Donc et je m'arrêterai là pour cette vidéo là, puisqu'après il y aura une séance de vernis à faire. Mais avant de faire le vernis, il y aura le capot arrière donc à repeindre, à peindre aussi donc et à masquer. Donc
Donc je prépare tout ça et je vous retrouve tout de suite après. J'ai passé trois couches donc de bleu comme ce que j'ai fait sur les autres pièces. Donc là on va laisser sécher tranquillement pendant une petite heure et puis ensuite je reprendrai donc la vidéo et je démasquerai donc le travail que j'ai effectué et puis donc on verra le résultat donc avant de passer donc à l'étape suivante qui sera donc le vernis. Mais ça, donc, ça sera pour le vernis, ça sera pour une prochaine vidéo. Donc là, je vais juste couper donc, le temps que ça sèche tranquillement, une bonne petite heure. Et ensuite, je reprends la vidéo avec vous pour vous montrer donc, le travail démasqué. Merci, à tout à l'heure. Donc voilà, donc, à peu près une heure après de séchage. Donc voilà, je vous ai laissé
il y a une heure à peu près. Donc maintenant, je vais vous démasquer tout ça, en espérant que tout se soit bien passé, qu'il n'y ait pas eu trop de bavures en dessous. Donc on va démasquer et puis on verra bien. Alors, je vais essayer d'enlever déjà ce lieu principal et peut-être que l'entrée d'air, je la démasquerai hors caméra et je vous montrerai tout après. Pas que ça prenne 3 heures non plus. Alors, j'avais mis aussi du mascol hein, entre les bandes cache pour pas que la peinture pénètre aussi par les petites superpositions de la bande cache. Jusque là tout va bien. Ça vient aussi. Ok. Pour l'instant, j'ai pas de problème. C'est là le plus délicat. C'est là où on va le voir parce que c'est la dernière. Là, on mettra le décalque en argent, la bande en décalque argent. Par contre, je m'aperçois que je suis un petit peu décalé, mais c'est pas grave avec l'épaisseur, la largeur de la bande, ça viendra combler la petite différence. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'il va falloir aussi enlever cette marche. Donc, c'est pour ça que je vais passer un premier coup de vernis et je vais poncer pour aplanir cette marche. Comme ce sont deux teintes métallisées, donc il vaut mieux vernir un petit peu avant parce que sinon les teintes vont ternir. Et là, bon bah là non plus, il y a un tout petit pet ici, alors vraiment minime, hein. Tout petit. Voilà. Bon bah parfait. Donc là, je suis bien content, ça c'est au niveau de la peinture. Au niveau du démasquage, tout s'est bien passé. Là, c'est quasi identique aussi. Donc tout ça, c'est très bon. On va terminer la prise d'air. Donc elle change là, comme ça. J'en ai foutu un peu partout. Et avec la peinture, je vois plus rien. Et là, verdict. Parfait. Là, ça s'est vraiment bien passé.
Impeccable, pas une seule bavure. C'est net. Bon, bah écoutez, donc là je l'enlèverai aussi après, puisque ça c'est pas collé. Alors les deux petits trous que vous voyez ici et là, en fait c'est moi qui les ai faits. Je sais pas si vous allez vous en rendre compte, là. Il y a des petits trous qui sont percés. C'est moi qui les ai percés, c'est parce que je vais ensuite, c'est pour pas oublier que ensuite, à cet endroit-là, je dois mettre des petits rivets en photo découpe. Voilà, bah écoutez, première étape, la monocoque. Donc là maintenant, celle-ci qui est faite, je vais m'attaquer à l'autre, donc le capot arrière. Donc je ferai hors caméra, parce que là par contre, au niveau masquage, ça va être coton, je le sens. Je vous reprendrai ensuite pour le vernis de la monocoque, et donc on attaquera une fois que ça sera vernié et bien sec, première couche de vernis. Je ferai un léger ponçage au 2000 à l'eau, et ensuite on attaquera la pose des décales pour la monocoque. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Oui, je voulais vous montrer aussi avec l'avant, donc bon voilà ce que ça va donner. Enfin, pour l'instant c'est juste la première ébauche, c'est pas... il n'y a rien de fait encore, mais la peinture Gravity, elle est vraiment vraiment chouette. Franchement, l'or bleu, il est d'une profondeur. Et après là, j'imagine avec le vernis bicomposant Gravity, quand ça va passer dessus, une fois que les décals seront posés, toutes les paillettes qui vont ressortir, ça va être franchement chouette. Voilà, bon bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, et puis moi je vous dis à très bientôt, donc pour la suite de la Williams FW24. Prochaine étape, je sais pas trop, on verra si je monte le vernis, je passe le vernis et je passe les décalques avec vous en vidéo, donc ouais, je pense que ça va être ça. Voilà, comme ça on aura vu la monocoque prête avant le vernis final. Bon, bah écoutez, passez une bonne soirée, et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la FW24. A plus.